Tu dors pas? Je suis de garde. C'est excuse pour fumer à la maison. T'as raison. Désolée de t'avoir réveillée. Non, je dormais pas. Je dors jamais quand ce téléphone est sur la table. Je sais, mais c'est qu'une nuit par semaine et... Et souhait suicide à l'appareil? Qu'est-ce qu'il se passe? Je sens que je vais faire une connerie. Expliquez-moi ce qui se passe. Je suis là pour vous. J'ai l'impression que je sers à rien. Le monde se fout complètement de moi. Calmez-vous, comment en êtes-vous arrivé là? Tu me connais même pas. Alors dites-moi votre nom pour commencer. C'est Lucien. Bon Lucien, moi c'est Maxime. Je suis là pour toi. Alors qu'est-ce qui t'arrive? Je suis fini. Je ne peux même plus payer la scolarité de mes enfants. Je ne sers à rien. C'est pas vrai, tu le sais. Non, non, je vais en finir. Une balle et ce sera tout réglé. Rien ne sera réglé. Qu'est-ce que vont faire tes enfants sans toi? Max? Hé, ça va aller? Je sais pas. Tu sais, tu devrais peut-être arrêter de travailler un moment pour cette association. C'est le numéro de cette nuit. Bizarre. Oh bon, faut qu'on y aille. On va être en retard. On rejoint ce soir. Autant que moi. Ah ouais, pourquoi? J'ai l'impression qu'on m'a suivi toute la journée. Mais tu te fais des idées. J'y ai pensé tout le temps. C'est normal. C'est quoi ça? Je sais pas. On se rejoint chez Sarah. Je vais voir ce qui se passe. Non, je viens avec toi. S'il te plaît. Ok. Bonsoir. Je ne sais pas trop quoi vous dire. Je ne vous connais pas, et vous ne me connaissez pas non plus, j'imagine. Mais si vous pouviez vous manifester, qu'on puisse discuter, ça pourrait peut-être nous aider.
Tu m'as éclaté le crâne. Je veux savoir qui t'es. Tu te souviens de la personne qui s'est tuée après avoir discuté avec toi l'autre soir? Ben, c'était mon père. Je suis désolé pour ce qui s'est passé. Tu ne sais même pas dans quelle merde tu nous as foutus. J'y suis pour rien. Tu es la dernière personne à lui avoir parlé. Qu'est-ce que tu lui as dit? Rien. Je lui ai demandé son nom et je lui ai dit qu'il était important. La discussion a été courte. Je pense que sa décision était déjà prise. Mais il t'a appelé. Et tu ne l'as pas aidé. J'ai rien pu faire. Et moi, tu crois que je vais faire quoi maintenant? Il m'a abandonné. Je te comprends. Non. Tu ne comprends rien du tout. Écoute, mon frère s'est pendu pour une histoire de dette. Et s'il y a bien un truc inutile, c'est de chercher des coupables. Je ne suis responsable ni de la mort de mon frère, ni de celle de ton père. Et alors qui? Personne. Et surtout pas toi. Pourquoi lui et pas moi? Lui au moins il a porté à manger. Maintenant on va tous cramer de faim. Il va falloir être fort maintenant. Très fort. Il faut toujours être fort. Très fort. T'as quelque chose à moi. Tout ça, je vais m'y pendre. I przez to już sam siebie pytać. Czy kiedykolwiek człowiek opamięta się w tej niekończącej się autodestrukcji? Cała nadzieja dla świata. To wszystko we mnie umarło.